Et on part à Saint-Valery à présent à la découverte d'une peintre autodidacte, Cassape Sanson, une enfant du pays qui a fait de la baie de Somme l'objet unique de son œuvre, un territoire à part dans lequel elle puise toute son inspiration. Yolande Malgras et Jérôme Arignon. Et il fait pas beau, et l'éclat de lumière qu'on a avec les barques, on va du plus clair, éclatant, pour tomber dans le sombre qui va vers l'eau. Putain, c'est magique. C'est magique. Moi, je travaille dans un petit atelier, mais je bois mon bol de couleurs en baie, et après, je rapporte mes petites couleurs. Comme on va faire nos courses, notre marché. Je vais en baie rien que pour ça. Je ne pars que 5 jours par an. Et quand je reviens, il faut vraiment tout de suite que je reprenne mon atelier, mes pinceaux, mes couleurs, mes couteaux. Avant, je travaillais dans le civil. C'est-à-dire dans des sociétés où j'étais salarié et j'ai choisi ma liberté, la peinture. Et vous n'échangeriez cette condition pour rien au monde? Jamais. Jamais plus. C'est terminé. Je ne peins. C'est mon bonheur. C'est une passion. Comme tous les gens de la baie, on est des passionnés. Et on aime bien partager notre passion. Et tout de suite, la météo des plages, suivie de l'édition nationale présentée par Marie-Sophie Lacaro. Excellente soirée à tous. À demain.